Et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la banlieue de Saint-Auban et nous allons aller nous balader. Dans une journée splendide. Ouais, c'était pas gagné quand on est parti de la maison, c'était brume et brouillard, mais là c'est complètement dégagé et il fait super beau. Allez, let's go. Voici donc que nous commençons donc notre petite randonnée. Impasse de la Fontaine. Et Christiane commence déjà sa cage de ciste. Ici, nous avons un petit lavoir. Ça y est, ça cache. Je le mets ailleurs parce que j'ai peur de le perdre. Je vais faire une photo. Alors, est-ce que Christiane va glisser ou pas? Là est la question. Oh! Allez, glisse un bon coup pour la page YouTube. Non, c'est le moment que je me fasse du mal. Eh bien, c'est bien cassé, hein. Ça commence bien, des ruines, un bel arbre. Comme ça, j'aurais dû la mettre là. Attends, viens là que je te détache, toi. T'as marqué ton point GPS cette fois-ci? Il y avait trop d'ombre pour la photo. Sympa ce petit chemin. Ouais. Dommage qu'on ait le soleil en plein visage. Oh, je préfère voir le soleil que la brume et le brouillard. Pour voir clair, c'est pas évident. Alors là, en fait, nous sommes sur le chemin qui reliait Saint-Auban à Briançonnet. Ah, ok. En passant par le col, par où on va passer. Bien sûr. En tout cas, pour l'instant, c'est un superbe haut chemin. Elle s'éclate. En tout cas, vu toutes les restants, ça devait être sacrément cultivé dans le coin. Tu parles, hein. Avec des murs magnifiques. Il fallait les déplacer les blocs hein, pour les amener là. T'imagines un peu. Surtout en pente en plus. En tout cas la montée, par rapport à ce que j'avais vu sur les images satellites, je pensais faire une montée en forêt quelconque. Ah, en tout cas c'est beau, j'aime bien. Mais c'est joli finalement ouais. Cette montée. Bah, à cause de ces murets, c'est... Ouais. Façonnage d'un autre temps. C'est agréable quand les arbres sont en feuilles. Est-ce qu'ils le seront encore maintenant avec la sécheresse? Ils seront cramés par le... Tu crois? Regarde, en principe, on est en pleine saison des pluies, là. On n'a pas une goutte d'eau, on n'a rien. C'est toujours étonnant, ça, ces arbres-là, ces chênes. Allez, les derniers mètres pour arriver au col de l'Escouissier. Il
Et Chippy nous attend déjà, regarde. Oh bah elle, de toute façon, elle fait 50 bornes quand on en a fait deux. Eh ben voilà, déjà, un col de fil. Voilà. On voit pas encore le versant, mais... Bon, eh bien nous repartons. Après avoir volé le vol... Après avoir fait voler le drone. Et caché la boîte. Et caché la boîte pour toi. Là. Nous allons maintenant continuer en espérant voir ce que vous, vous avez déjà vu avec le drone. C'est-à-dire la magnifique mer de nuages qui se présentait devant nous, mais que depuis le sol pour l'instant ne voit pas. Ben nous allons au col du Baratus, où le sentier présente des passages délicats. Donc on va voir ce que c'est comme délicat. Allez, passe devant, Christiane. Pour une fois qu'il le spécifie, c'est inquiétant, oui.
Bon, celui-là, je pense pas que c'était le chemin délicat en été. Mais là, avec la glace, c'était pas évident. J'espère que ça mais sera j'espère que c'est pour celui-là qu'ils avaient mis le panneau. Allez, saute! Celui-là, le délicat. Bon, ça, contrairement à avant avec la neige, c'était rien. Alors voilà que nous avançons dans la neige avec ici notre mer de nuages qui petit à petit est en train de reculer. Et là, on a Christiane qui s'amuse. Attends, j'ai pas le bon pied en plus. Passage délicat. T'as trouvé un endroit où les arbres étaient suffisamment petits pour prendre une photo. Regarde là. C'est splendide. C'est impressionnant, hein? Ouf, ça glisse. A priori, on est en train de chasser les nuages au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Oui, hein. C'est la marée descendante. Bon, cette fois-ci, tu peux retomber, j'ai mis la caméra. J'ai surtout te laissé passer devant. Ah, regarde la vue devant nous avec tous les sommets dans les nuages. Mais vite, vite, vite pour voir ça. Waouh, magnifique. Alors c'est dommage pour les gens qui sont sous cette purée de pois, mais franchement pour nous c'est magnifique, vu du dessus c'est superbe. Je vais aller voir les autres là-bas. Mais... Là en bas nous avons Garce. Ouais, effectivement. Ah c'est superbe. T'es passé par où toi, là en bas ou en haut? Là j'ai l'impression, ici là. Où elle est passée, elle? Ne te jette pas dans le vide. Non, mais parce que le paysage est magnifique quand même. Je vous montrerai la photo. Je ferai la photo à moi. Là, devant nous, nous avons Briançonnet avec la vieille ville sur le piton rocheux. Au loin là-bas, avant les montagnes enneigées, on a le Gourdan qu'on a fait. Merde, il n'y a pas longtemps. J'ai oublié de prendre des papiers.
Et nous, nous allons au col là-haut, là-bas. Et là, on redescend sacrément. Je me stabilise. Ah ouais, fais gaffe à tes appuis. Le problème, c'est que j'ai pas des grandes jambes, moi. Monsieur. Ouais, mais t'as pas de problème d'équilibre comme moi. Donc l'un dans l'autre. Je me la joue prudente. Et encore, t'as pas vu la descente. Qu'est-ce que t'as dit? T'as pas vu la descente. La vache. Bon, eh ben, on progresse doucement mais sûrement. Entre la neige et ce tapis de feu qui part en droit, est monstrueux. On avance. En tout cas, c'est très joli. Oh, c'est magnifique. Oh, bel arbre. T'attends la chute? Non, là, il n'y a pas de quoi chuter. Ouais, tu sais, avec les feuilles, regarde. Là, le tapis de feuilles, il est assez soft. On voit même plus mes pieds. Dans le coin, on n'y va pas avec le dos de la cuillère pour les... Non, hein. Pour les messages de... De garde, de mise en garde. De mise en garde. Hein. Je vois même pas quel chemin c'est, en plus. Non, ça doit pas être celui qu'on a fait. Non, non, bah non, sinon il serait là, quand même. Ouais. Il aurait été fini. Ah bah déjà le nôtre. Ce qui est marrant, c'est que t'as vu comme il est devenu large, le chemin? De quoi? T'as vu comme il est devenu large? Le chemin, là. Ouais. Ils vont t'annoncer combien de morts il y a eu dans l'année. Alors, qu'est-ce qu'ils disent comme mise en garde sur celui-là? Ah non, danger forestier. Tout de suite, nombre de morts. Sentier présentant des passages délicats. Quand effectivement, même. On a remarqué. Et nous voici arrivés au col du Baratus. Bon, ils ont fait un peu gros ménage là. Ils ont tout coupé. Tout coupé, tout coupé. On va se mettre sur la citerne. Il y a un beau point de vue là-bas. Voici que nous arrivons à la réserve d'eau. C'est elle qui offre le plus beau panorama du col. Oui. Au niveau du col du Baratus. Alors ça devant nous, ça doit être la montagne de l'Arpie. Il faudrait que je regarde sur ma carte, mais je suis quasi sûr. Regardez. La belle Mercantour. Bon, les sommets, je ne les citerai pas parce que je suis incapable de les reconnaître à distance. Je ne vois pas du tout ça, moi, sur la carte, hein, Laurent. Et ici, pour l'instant, on ne voit pas. Le drone va les voir pour nous. Allez, c'est parti. Thank you.
Bon, et ben ça y est, après la petite pause déjeuner et drone, nous repartons. Regarde ça, on a un hiver, tout est brûlé déjà. Ouais, mais c'est la neige qui a brûlé ça. Tout est archi sec. D'un versant à l'autre, ça a changé totalement de végétation. Ouais, incroyable. Hein, l'autre côté, c'était des chênes et des bouleaux. Là, c'est que du pain. C'est des bouleaux ou des je sais pas. Des feuilles. Là, il n'y a que du pain ici. Mais j'aurais dû prendre une feuille. À moins d'un kilomètre, on était dans la neige. Maintenant, on est dans la sécheresse. Bon, tout compte fait, c'est un chemin assez large. Il a vraiment du... Un joli grand-père. Ouais, il est beau. Tu te rends compte l'âge qu'il doit avoir, cet arbre? Oh, il doit avoir la moitié de ton âge. Ou moins la moitié du sien. Alors là, vu la température, l'été indien. Oh, voilà. Ouais, vraiment idéal. Il fait super bon, pas un pet de vent, mais même pas une brise légère. Les feuilles mortes, on se croirait vraiment à la fin de l'été, début d'automne. Et pourtant, on est 20 février, un truc comme ça. Hein, on est combien exactement aujourd'hui? Aujourd'hui 18, 19, 20. Ah, ouais, c'est juste. Je devrais prendre là-bas pour montrer le col où on est passé. Bah, le col, je sais pas si on le voit bien à travers les arbres. C'est le col qu'on a passé tout à l'heure, enfin ce matin. Le col de l'Escoussier. Je te laisse te débrouiller avec le nom. Pour une fois, je l'ai bien dit. En principe, je bafouille toujours sur les noms. Je sais toujours pas ce que c'est comme arbre, par contre. Je sais pas, c'est toi. En tout cas, c'est bien droit. Vu ton grand âge, c'est toi qui devrais m'apprendre des trucs, pas l'inverse. Ouais, je sais pas. C'est de la, je dirais effectivement de la famille des bouleaux, mais sans en être. Ah, on va arriver à une rivière gelée. C'est là qu'on passe à gué. J'espère que c'est pas gelé. Hein? J'espère que ce n'est pas gelé. Bah, regarde, c'est bien blanc. Hein? Oui, parce que passer à gué dans la flotte, c'est quelque chose, mais passer à gué sur de la glace. Ça me rappelle les vraies forêts quand j'étais gamin. Ah ouais, c'est marrant. Hein? J'ai eu une forêt comme ça, j'en ai vu une fois en Italie, là, vers Florence. Moi, dans Lyon. Quand on allait dans l'Yonne, il y avait des vraies forêts comme ça. Contrairement ici, d'habitude, c'est que des forêts soit de pins, soit de chênes. Et ça, ce genre de... Je te dis, au printemps, ça doit être magnifique. Est-ce qu'on va faire du patin à glace ou de la natation? Les paris sont ouverts. Oh, purée, regarde déjà ce qui nous attend. Ah non, c'est pas la rivière. Je crois que c'était la rivière, ça. C'est la rivière? Je sais pas. Oups. Ça commence. Je ris, mais... Ouais, ouais, tu rigolais, juste ce vas-y. Qu'il faut, hein. Bon, ça, c'est pas la rivière. Ça va être dans le creux derrière. C'est quand même un passage délicat. Il suffit de suivre les traces de Chippy. Je crains un peu quand même le passage de la rivière, hein, quand on voit ça.
Ouais. Non, là, ça va, c'est dur. Putain, on a de la gadoue, là. Tu attends la chute? Ouais. Eh ben tu l'auras pas. On essaye de patiner. Il suffit de voir comment la chienne se débrouille. Oui, oh ben, elle a peut-être des moyens que nous n'avons pas. Ainsi que se termine notre balade des 4 saisons. On a eu printemps pour la montée, l'hiver à Lubac. Quand on est redescendu du deuxième col, c'était l'automne. Et maintenant, c'est l'été. Donc nous avons fait 8 km 2 pour 320 mètres de dénivelé.